a la deriva, de perderse. But even if you're reading a science paper or a work of philosophy, you have to give yourself up to the thought of the other. El escritor lo es siempre de la literatura que falta. Entonces ahora vamos atrás. ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Tenéis un minuto para dibujar. A mí me encanta que los libros empiecen justo desde la portada. But what is the function of a novelist? I mean, maybe you can tell me. No, I have no idea. Hay una cuestión geográfica en la circulación de la literatura, una cuestión de mapas y fronteras. Un monólogo interior no es sencillo hacer una película. It has to do with the feeling that it's truthful enough to my own experience. So clearly, they can be taught. Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva actividad de FILBA 2021. A continuación, charlaremos con Leila Slimani, una escritora franco-marroquí, nacida en 1981 y ganadora en el 2016 del reconocido Premio Goncourt por su novela Canción Dulce, Chanson Douce. Traducida en 44 idiomas, es en la actualidad la autora francófona más leída en el mundo. Su última novela, El País de los Otros, así como las anteriores, fue publicada en el país por la editorial Cabaret Voltaire. Por otra parte, queremos agradecer, como siempre y una vez más, el apoyo del Institut Français d'Argentine. Por último, esta actividad, como todas las del festival, es gratuita. Si quieren colaborar con el valor de una entrada, pueden encontrar los enlaces acá, abajo, en la descripción. Bienvenidos. Hola Leila, bonjour. Hola, bonjour. Chère Leila, merci de nous recevoir. Je sais que le temps est pour vous un bien précieux, que vous chérissez vos moments de solitude et d'écriture. Merci donc de prendre le temps de participer à notre festival 2021. Je voudrais commencer par vous dire ô combien il m'a été difficile de préparer cet entretien, car Leila, vous m'intimidez grandement. Non seulement vous êtes une des grandes figures actuelles de la littérature française et mondiale, vos livrets au succès planétaire sont traduits en 44 langues, et cela me donne un petit peu le vertige, mais ce qui m'intimide vraiment, Leila, est le fait qu'aujourd'hui, là tout de suite, je me dois de vous dévoiler un secret, et tous vos lecteurs savent aussi bien que moi que vous êtes l'experte en secret. Donc dévoiler devant vous mon secret m'intimide énormément. Mais ma décision est prise, je dois vous le dire. Leila, vous ne le saviez pas, mais vous et moi, nous sommes intimes. Je suis votre best friend. Je vous connais par cœur. Je sais absolument tout sur vous et cela pèse inévitablement sur la façon dont je souhaite aborder cet entretien. Leila, cela fait un mois que je ne pense qu'à vous, je ne lis que vous, je n'écoute que vous. Mais je vous rassure tout de suite, je n'ai absolument rien à voir avec Louise, votre personnage du roman Chanson Douce. Cela fait un mois que je ne cesse de penser à que faire de toute cette information, cette richesse. Comment parler de cette lointaine amie, si surprenante, que partager avec notre public argentin et latino-américain en général, la femme, l'écrivaine, la militante, l'essayiste, la chroniqueuse, la romancière, la francophone, bref, j'espère, Leila, que je ne dévoilerai pas trop de ces « nos rencontres intimes ». Mon souhait le plus cher est de donner à notre public l'envie de vous lire, de vous écouter, leur transmettre la joie et l'enthousiasme avec lesquels je vous ai découverte, vous en tant qu'auteur et en tant que personne, qui offre à ses lecteurs une vraie réflexion sur le monde d'aujourd'hui, sur la langue, son pouvoir et son usage, joie et enthousiasme qui, d'autre part, me semble-t-il, vous caractérise assez bien. Leila, avant toute chose, donc, merci pour ces moments de lecture et d'écoute. Ce fut du bonheur en branche, comme dit une amie proche. Nous avons pris tellement de maté, vous et moi, ces derniers temps. Merci. Mais commençons par le commencement. Afin de vous présenter brièvement, mais efficacement, j'ai décidé de citer à une de nos grandes critiques littéraires que j'apprécie énormément, qui s'appelle Nelly Caprielian, qui dans Les Inrocs, il y a quelque temps, écrivait ceci. Une jeune Marocaine issue de la bourgeoisie de Rabat rêve de la France. Elle feuillette des magazines de mode, la presse française, connaît nos stars et nos politiques et attend de grandir. Plus tard, je serai payée pour penser. Assène un jour la petite Leila à ses parents médusés. C'est chose faite.
Elle n'a que 35 ans quand elle décroche le prix Goncourt. Enfin, une jeune maghrébine reçoit la reconnaissance littéraire de la France, va même la représenter dans le monde. Romancière franco-marocaine, née en 1981, Leïla Slimani est lauréate du prix Goncourt 2016 pour son roman « Chanson douce » publié aux éditions Gallimard. Traduit en 44 langues, cet ouvrage l'a hissée au rang d'auteur francophone le plus lu dans le monde. Virtuose, féministe et profondément engagée, sa plume acérée suscite des débats passionnés, au même titre que les thèmes qu'elle aborde, de la nymphomanie dans « Le jardin de l'ogre » à la violence du patriarcat, sexe et mensonges, la vie sexuelle au Maroc, en passant par le meurtre d'enfants et la misère sociale dans « Chanson douce ». Représentante personnelle d'Emmanuel Macron pour la francophonie, Leïla Slimani a interpellé publiquement le président de la République française en novembre dernier en soutien aux personnes migrantes. Leïla, je commence donc notre entretien après ces présentations. Nos festivals tournent toujours autour d'un thème. L'an dernier, en pleine pandémie, nous avions abordé la transformation, le changement. Cette année, nous proposons l'anxiété. L'anxiété est un mal moderne, qui est d'ailleurs considérée comme une maladie. Nous pensons que pour les écrivains qui en souffrent, elle peut être une pulsion de créativité, mais aussi de destruction. Elle est un moteur vers l'imaginaire, la fiction, mais elle peut aussi nous terrasser, nous asphyxier. Donc, ma première question, Leïla, est quel est votre rapport à l'anxiété ? D'abord, merci beaucoup pour cette très sympathique, très chaleureuse introduction. Écoutez, c'est une très bonne journée pour me poser la question puisque je suis depuis 2-3 jours en butte à une extrême anxiété. Je suis en train de terminer mon roman et la fin pour moi est toujours le pire moment dans l'écriture parce que c'est un moment où on doit admettre une forme d'échec. On doit admettre ses frustrations, on doit admettre qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait faire et que pourtant il faut lâcher. Donc l'anxiété, j'ai un rapport avec elle qui date presque de l'enfance. J'ai toujours été très, très anxieuse. Je crois que tous les écrivains sont anxieux et tous les gens qui ont, comme moi, un rapport très fort à la discipline, au travail, qui sont très exigeants avec eux-mêmes, sont des gens anxieux. Moi, je me couche tous les soirs très, très insatisfaite, persuadée que j'ai pas fait ce que je devais faire et que donc demain, il faudra que je me rattrape. Je suis obsédée par les listes. Je passe mon temps à faire des listes. Vous voyez, j'ai des listes partout de tout ce que je dois faire, de gens que je dois appeler, de livres que je dois lire, d'endroits où je dois aller. Mais c'est des choses parfois à faire demain et d'autres à faire dans 10 ans ou à ne jamais faire. Donc, c'est très angoissant. Donc, je vis dans une anxiété constante, malheureusement. Et je bois. Par curiosité, vous êtes donc en train de terminer votre second tome, si on dit des tomes, je suppose, de la trilogie que vous avez annoncée, qui a commencé par Le Pays des Autres, c'est ça ? Oui, absolument. Voilà, elle est terminée. Je suis dans la phase des corrections finales. Voilà. D'accord. Mais vous avez déjà écrit les 3 tomes, donc ? Non, j'en ai écrit 2 et là, je commence le 3e. D'accord, super. Donc ça, c'était un petit une nouvelle pour nous. Donc ça, c'est super. Ça sort quand en France, en tout cas ? Ça sortira début février. Ok, on attendra ça avec anxiété, justement, ou en tout cas avec beaucoup de joie, j'espère. Je voulais juste, pour terminer sur le thème de l'anxiété, dans le contexte mondial actuel, diriez-vous que la pandémie, le confinement, ont été pour vous une source que d'anxiété ? J'imagine qu'à un moment donné, vous avez dû, enfin je crois qu'on a tous quelque part traversé l'anxiété, ou c'était une source de création aussi pour vous ? Ça n'est pas la pandémie elle-même qui a été source de création. Comme beaucoup de mes amis écrivains, je ne trouve pas que ce soit un moment qui a été particulièrement romanesque ou particulièrement inspirant. D'ailleurs, je ne suis pas persuadée qu'il y aura de grands textes sur la crise du Covid avant très longtemps. Je pense qu'il faudra beaucoup de distance et beaucoup de temps pour écrire quelque chose d'intéressant là-dessus. En revanche, c'était quand même un moment propice à la création par simplement le contexte que ça a mis en place, c'est-à-dire l'extrême solitude dans laquelle on s'est tous retrouvés, le fait aussi de ne plus avoir à sortir, à voir des gens, à faire plein de choses aussi un peu contraignantes qu'on fait dans la vie quotidienne et qui nous prennent du temps sur l'écriture. Donc moi, assez égoïstement, comme écrivain, en fait, ça m'a plutôt libéré beaucoup de temps. Vous en avez profité quelque part ? Un peu, oui, j'avoue. Vous avez transformé, ça rejoint nos 2 thèmes du festival, vous avez transformé la pandémie et vous avez fui l'anxiété, vous êtes mis dans l'écriture, c'est très bien, c'est un bon remède
à l'anxiété. Je vais un peu, j'aimerais bien qu'on parle un peu de la langue, le parfum de l'enfance. Vous êtes donc née, je l'ai dit, à Rabat, au Maroc, au sein d'une famille privilégiée, d'un père marocain et d'une mère franco-algérienne. Vous me reprenez si je me trompe, évidemment. Vous avez étudié au lycée français de Rabat. La langue que vous parliez à la maison était le français. J'aimerais que vous nous parliez Absolument. Un peu de votre enfance. Car je cite, vous en parlez comme j'ai lu, que vous en parlez comme une bulle protégée qui sentait bon. Alors ça, je l'ai lu dans votre texte, Le parfum des fleurs la nuit. Cette bulle protégée qui sentait bon le mesque al-arawi ou galant de nuit, qui aussi s'appelle la dama de noche en argentin. Ce qui m'a surpris et touchée quand j'ai donc lu votre essai, parce que pour moi, la ville de Buenos Aires sent la dama de noche. C'est vraiment, si, quand on me demande à quoi sent Buenos Aires, c'est vraiment le parfum de la nuit. Et je fais sciemment allusion à la traduction, car non seulement j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre enfance, mais surtout de votre relation à la langue, cette langue maternelle française dans un pays bilingue, enfin dont la langue officielle est actuellement l'arabe, mais où, quand vous étiez petite, sûrement, on parlait énormément français. Vos parents parlaient-ils arabe entre eux, par exemple? Et en résumé, l'odeur de votre enfance est entre autres le galant de nuit, la dama de noche, mais qu'était sa musique, le son de votre enfance? Bah, d'abord, je dirais qu'au Maroc, on n'a jamais en fait parlé énormément français. C'est simplement que une élite, une petite bourgeoisie comme celle de mes parents maîtrisait le français. Mon rapport à la langue française et de manière générale aux langues, il est assez complexe et assez douloureux. Mes parents sont tous les deux allés à l'école coloniale et bien qu'ayant grandi tous les deux au Maroc, bien qu'étant tous les deux marocains, ils ont appris le français à l'école et n'ont pas appris l'arabe classique. Donc, ils parlaient d'Elija, bien sûr, dans la rue, avec leurs amis. Ma mère était médecin à Rabat, donc évidemment, elle pratiquait la médecine en arabe comme en français. Mon père était ministre des Finances, mais par exemple, mon père était incapable d'écrire un discours en arabe ou de lire la presse en arabe, alors que c'était sa langue. Donc, il y avait dans toute ma famille quand même une forme de chagrin, voire même de honte, dans le fait que on avait été d'une certaine façon un peu arraché à notre culture, à nos traditions par les accidents de l'histoire, par l'éducation, par l'embourgeoisement aussi, qui a fait que on s'est retrouvé dans cette bulle francophone et que on a juste l'arabe dialectal, donc la Darija, qui est l'arabe du peuple que tout le monde parle, mais qui malheureusement est l'objet d'un certain mépris de la part des autorités ou des autorités linguistiques et politiques, c'est-à-dire c'est une langue voilà qui ne s'écrit pas, qui est parlée comme ça, mais qui n'a pas de noblesse littéraire. Et j'ai toujours eu un rapport très très fort et très amoureux avec les langues. J'adore apprendre des langues. J'ai parlé aussi l'espagnol assez jeune parce que mon père adorait le nord du Maroc et que j'ai passé tous mes étés dans le nord du Maroc où on parle beaucoup plus l'espagnol que le français et parfois même plus l'espagnol que l'arabe, c'est-à-dire on parle le rifin et l'espagnol. Donc j'ai voilà ma grand-mère, elle était germanophone, ma grand-mère alsacienne, donc j'ai toujours entendu aussi beaucoup d'allemand chez moi. Donc j'avais une enfance voilà où beaucoup de langues différentes bruissaient. Ma nounou me racontait des histoires en berbère. Je parlais dans la rue en arabe, je parlais en français avec mes parents, j'écoutais les histoires de ma grand-mère en allemand. Donc c'était assez voilà assez coloré, assez différent. Vous parlez l'allemand? C'est une langue que vous pratiquez? Je ne parle pas, c'est une langue que je comprends un peu, mais ma grand-mère ne nous l'a jamais enseignée. Elle était très jalouse, je crois, de sa langue, c'était sa langue, et je ne sais pas si elle avait tellement envie de nous l'enseigner. Même à ses propres enfants, elle ne leur a pas transmis. Alors, vous voyez, il y a un problème dans ma famille de transmission. Pourquoi est-ce qu'on se transmet pas, ces langues? Pourquoi est-ce qu'on laisse les langues mourir? C'est un peu un mystère. Quelle phrase, laisser la langue mourir, mais c'est vrai que c'est... C'est important, c'est intéressant quand on ne parle pas sa langue maternelle à ses propres enfants déjà, c'est un choix de vie particulier. Vous avez joui, je continue sur ma lancée, vous avez joui donc d'une éducation visiblement libre au sein de votre famille, dans un Maroc où la parole ne l'était pas. Vous avez aussi souffert d'une grande injustice, votre père a été condamné à tort de malversation, il sera d'ailleurs réhabilité après sa mort. Leïla, vous avez connu la calomnie,
le manque de respect, les ragots. Votre père, lui, en plus, a connu la prison, la solitude. Il a vécu enfermé, puis reclus dans votre maison. J'aurais aimé que vous nous parliez de votre rapport à l'injustice, d'une part, et de la leçon, l'enseignement que vous avez tiré de cette expérience-là, qui, me semble-t-il, a beaucoup à voir avec votre décision de devenir écrivaine. Au-delà du fait que votre mère l'avait prédit, j'ai entendu cette anecdote-là, que votre mère l'avait prédit dès votre plus jeune âge. Mais j'aimerais aussi que vous parliez donc de l'injustice et de votre rapport à la liberté, parce que je sens que c'est très présent dans le choix de vos fictions et d'autant plus dans vos essais. Mais voilà. Ben justement, ma mère, c'est drôle, l'avait prédit quand j'avais peut-être 8 ans. Un jour, pendant un dîner, elle a dit comme ça, « Leïla, de toute façon, sera écrivain ». Pour ma mère, c'était une certitude. Elle n'a jamais pensé que je pourrais être autre chose qu'écrivain. Mais ce qui est amusant, c'est que ma grande sœur, elle, qui me connaît tout aussi bien que ma mère, disait non, elle sera avocate. Parce que justement, j'avais cette espèce de fougue et de passion de lutter contre les injustices. D'abord, j'étais l'avocate de mes sœurs quand elles voulaient sortir, quand elles avaient fait une bêtise et tout. C'était toujours moi qui allais parler avec les parents et qui allais négocier. Et puis, quand quelque chose me révoltait, j'étais vraiment incapable de me taire. J'étais incapable de rester calme. J'exprimais toujours ma révolte, ce qui faisait que mes parents s'inquiétaient souvent pour moi parce qu'ils se disaient, il va finir par lui arriver quelque chose. Et mon père me disait toujours, si tu restes ici, si tu restes dans ce pays, ça va mal finir pour toi, il va t'arriver quelque chose. Et j'ai toujours eu ça qui me vient de ma grand-mère, qui me vient de ma mère aussi, qui était médecin. Et quand on est médecin dans un pays très pauvre comme le Maroc, où on se retrouve confronté à des situations tragiques avec des gens qui n'ont pas les moyens de soigner des enfants, avec des femmes qui se laissent pratiquement mourir parce que elles veulent pas que la famille dépense cet argent pour les soigner alors qu'elles savent qu'elles ont peu de chances de s'en sortir. Donc cette injustice-là, qui est l'injustice la plus profonde, celle de pourquoi est-ce qu'on est de ce côté plutôt que de l'autre, cette injustice-là, elle m'a toujours habitée, elle m'a toujours hantée et elle m'a toujours révoltée. Alors après, c'est ajouter l'injustice personnelle, l'infamie qu'a subi ma famille, mais au fond, elle n'a fait que confirmer un état de fait. Et en fait, finalement, cette injustice, elle ne m'a pas du tout amenée à m'interroger sur moi ou à me voir moi comme une victime, mais c'est plutôt que quand mon père est allé en prison, par exemple, j'ai découvert aussi l'univers de la prison, j'ai découvert le monde de l'arbitraire. Et je ne me suis pas dit « Oh mon Dieu, on est des victimes », je me suis dit « Oh là là, nous, dans notre malheur, on a de la chance ». Parce que nous, on a une maison, on a ma mère qui travaille, on a des moyens de s'en sortir. Mais j'ai vu les autres. Et quand j'ai vu ce que c'était pour les autres, ceux qui n'avaient pas ce que nous, on a, c'est là que j'ai mesuré l'horreur de cette situation. Donc, voilà. Et les leçons que j'en ai tirées, c'est de ne jamais m'attacher à rien. Je ne suis attachée à rien, à aucun objet, à aucune amitié, à personne, à part à mes enfants. Et à ma famille proche, mais tout le reste, j'ai le sentiment que ça peut disparaître. Alors ça veut dire aussi que j'en profite de manière très intense parce que je sais très bien que ça peut disparaître, mais je ne suis pas du tout ni aigrie ni amère. Je n'ai pas de mal à faire confiance aux autres, je donne ma confiance sans problème. Simplement, voilà, si un jour tout doit disparaître, eh ben tout disparaîtra. C'est comme ça. Je sais que je peux survivre. Vous aviez quel âge quand votre père a eu ces problèmes C'était entre mes 13 et mes 22 ans. D'accord. C'est très long, donc, du coup. Juste une curiosité. Est-ce qu'on peut dire… J'ai une question un peu plus en avant sur le rôle de l'écrivain, mais pour le coup, entre le mandat de votre mère et l'avis de votre sœur, est-ce qu'on peut être avocat à travers l'écriture, quelque part? Bien sûr. Ouais. Moi, je vois vraiment l'écriture aussi comme ça, comme une manière de réparer l'injustice, de rétablir la dignité des humiliés. Il y a une phrase de Clarice Lispector, l'écrivaine brésilienne, qui dit « Écrire, c'est bénir des vies qui n'ont pas été bénies ». Et je crois que c'est aussi ça, c'est comme poser une forme de bénédiction, lui rendre une forme de considération. Et le rôle de l'avocat, quand on le porte à sa plus grande hauteur, à sa plus grande noblesse, c'est aussi ça, c'est rendre même au monstre, même à celui qui est considéré comme un monstre, même au criminel, mais lui rendre une part d'humanité. Donc oui, bien sûr, je pense que les deux peuvent tout à fait aller ensemble.
Alors, on va passer au concours parce que donc, comme je le disais dans ma présentation, vous avez très jeune obtenu le prix Goncourt. Donc, je me suis quand même un petit peu renseignée parce que je ne savais pas très bien ce que c'était le prix Goncourt, pour être tout à fait honnête. Je lis à chaque fois les premiados, je ne sais plus comment, les prisés, on dit prisés peut-être. Les primés. Les primés, pardon. Prisés, c'est autre chose. Les primés. Et donc, j'ai appris que vous êtes la 12e femme. Vous avez été la 12e femme à obtenir le prix Goncourt. Ce prix existe depuis 1903. Que depuis les années 2000, seules 3 femmes ont été primées. Marie Ndiaye, de mère française et père sénégalais, en 2009. Lydie Salvert, de parents espagnols, en 2014. Et donc vous, Laïla Slimani, en 2016. La première lauréate femme ayant été Elsa Triolet, une franco-russe, en 1944. Dans un monde idéal, on pourrait penser que le Goncourt récompense les femmes. Il récompense les femmes, la mixité, le métissage, la richesse du partage et de la rencontre des cultures. Qu'en pensez-vous de ce prix Goncourt? Est-ce que ça sert aussi à ça, le prix Goncourt? Moi, je crois que ça sert surtout à récompenser des bons livres. Je pense que ce qui est important en littérature, c'est les bons livres. Il n'y a que 2 sortes de livres, les bons et les mauvais, qui soient écrits par un homme, une femme, un Allemand, un Sénégalais, peu importe. Par quelqu'un de gentil ou quelqu'un de mauvais, par quelqu'un de droite ou de gauche, par un homosexuel ou un hétérosexuel, peu importe. Je pense que s'il y a vraiment un domaine où il faut essayer de sortir un peu de ça, de ces catégories, de tout ça, c'est l'art et la littérature. Si un livre est beau, il est beau, peu importe qui l'a écrit. Que peu importe dans quel contexte, je pense que vraiment il faut se laisser emporter par la beauté de la littérature et ne pas tomber dans le piège de récompenser quelqu'un pour sa couleur de peau, pour son orientation sexuelle ou pour remplir des quotas. Ça veut pas du tout dire, ça veut dire que ce que je veux dire, c'est que c'est au départ qui est le problème. Le problème, c'est qu'il faut que tout le monde puisse publier des livres, c'est que tout le monde puisse s'autoriser à écrire un livre, c'est que tout le monde puisse aller lire un livre qui parle de sujets qui peuvent être gênants. Mais ensuite, pour ce qui concerne les prix, je pense que vraiment, il ne faut regarder que le texte lui-même et pas du tout l'auteur du texte. D'accord. Je voulais justement, je vais quand même le faire sur l'auteur, parce que j'aurais aimé que vous nous racontiez un peu ce que ça a été pour vous à l'âge de 35 ans, effectivement marocaine, même si depuis l'âge de 18 ans, vous êtes arrivée en France, même si votre famille était francophone et francophile, vous étiez particulière, vous avez un profil particulier en France. Quel a été l'impact pour vous dans votre carrière d'écrivaine de ce Goncourt en 2016? Ah bah, absolument énorme. Le Goncourt, c'est le prix le plus prescripteur au monde. C'est le prix qui donne le plus de traductions dans le monde et puis qui génère le plus de lecteurs. Donc, c'est un choc immense. Et puis, il n'y a pas d'autres pays comme la France où quand vous recevez un prix littéraire, vous sortez de chez vous, il y a 350 journalistes qui vous attendent. Quand je dis 350, ce n'est pas une façon de parler, c'est une réalité. Donc, c'est très étonnant, voilà, très choquant, très surprenant. Voilà, et après, il faut aussi essayer de le gérer parce que le succès n'est pas un bon allié pour les écrivains. C'est très dangereux d'avoir du succès quand on écrit. Un écrivain n'est pas fait pour avoir du succès. Un écrivain, il est fait pour être seul et pour travailler. Le succès, ça vous amène des sollicitations, ça vous amène de la vanité, ça vous amène beaucoup de choses qui peuvent abîmer l'écriture et vous rendre moins honnête et moins pur. Donc, voilà, le succès n'a pas d'odeur, n'a pas de saveur, donc il ne faut pas s'y attacher. C'est très bien, moi j'en ai beaucoup profité, mais voilà, une fois que c'est terminé, il faut aussi savoir se remettre au travail. Alors, il y a une citation très connue d'Ernest Hemingway que moi j'apprécie particulièrement, vous devez la connaître. Je vais la dire en anglais avec mon accent terrible, mais c'est « The most essential gift for a good writer is a built-in shock-proof shit detector ». Dont la traduction serait plus ou moins quelque chose comme le don essentiel pour un écrivain est d'avoir un détecteur de merde intégré et anti-choc. Et il se trouve que vos livres pointent du doigt cette obscurité en chacun de nous.
comme nous dirions en argentin, vous nous montrez la face B, comme dans les disques, la face A et la face B, des choses. L'injustice dont nous avons parlé auparavant, mélangée aux souvenirs de votre mère qui vous racontait ses journées en tant que médecin, dont vous nous avez aussi parlé, ou les récits de votre grand-mère, qui était une grande conteuse, vous ont marqué, ces récits vous ont marqué, et vous ont donc, je crois, quand même décidé de vous lancer dans l'aventure de l'écriture. Mais le fait est, Leïla, que vos livres parlent quand même, très franchement, de thèmes très transgresseurs. L'addiction au sexe chez une femme, la nymphomanie dans Le Jardin des Ogres, l'infanticide dans Chanson douce, infanticide commis par une femme, le problème du sexe dans votre pays d'origine où la liberté d'expression et le pouvoir du contrôle de la vie sexuelle sont de vrais problèmes de société, dans votre essai « Sexe et mensonges, la vie sexuelle au Maroc », il me semble, quand on vous lit, enfin quand moi je vous ai lu, que vous essayez sans cesse de vouloir raconter haut et fort ce que personne ne veut entendre quand même. C'est aussi ça, alors est-ce que vous avez cette sensation-là? Et si ça c'est aussi le rôle de l'écrivain, effectivement de nous montrer la face B? Non, moi je n'ai pas cette sensation. Moi je ne me rends pas du tout compte quand j'écris que ces sujets peuvent être transgressifs. J'écris sur ce dont j'ai envie d'écrire, ce qui m'apparaît urgent ou ce qui m'obsède. Évidemment, le rôle de l'écrivain, c'est de montrer cette face B. La face A, on passe son temps à la voir, on vit avec elle. On passe son temps à devoir supporter l'apparence des choses, à devoir faire semblant, à utiliser un langage qui est un langage galvaudé, pas intéressant. Donc, quand on ouvre un livre, évidemment, c'est pour plonger beaucoup plus en profondeur dans les autres, dans les êtres, dans le monde, et pour regarder effectivement cette face qui nous est cachée parce que dans la vie sociale, il faut une dose de politesse, une dose de conformisme pour pouvoir vivre ensemble. Et la littérature, elle fait éclater tout ça et elle nous permet de regarder en transparence à l'intérieur d'un être humain, ce qui est impossible dans la vie réelle. Et quand vous, ça m'intéresse le concept, quand vous commencez une histoire, vous ne pensez pas du tout en fait, enfin, c'est une histoire quoi, après qu'elle soit transgressive ou pas, c'est autre chose, c'est pas le problème. J'y pense pas du tout, et d'ailleurs souvent ce que je pense être transgressif finalement ne l'est pas du tout, et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire les gens pointent des choses que je n'avais pas du tout remarquées. Mais quand j'écris en fait, je ne pense pas du tout à mes lecteurs. Je ne pense pas du tout au fait qu'un jour le livre sera publié. Ça m'est totalement indifférent au moment où j'écris. C'est pour ça que la fin est douloureuse, parce qu'à la fin, je commence à y penser et ça devient difficile au moment où je me mets à corriger. Ah, là on commence à apparaître. La quatrième, voilà. Quatrième mur commence à apparaître. Vous avez été journaliste, puis vous avez assisté à un atelier d'écriture. J'en parle parce que c'est très commun ici à Buenos Aires. Les ateliers d'écriture, il y en a énormément et de très très bons, mais je crois savoir que c'est pas le très commun en France, et vous en avez toujours parlé avec beaucoup de liberté, que vous avez effectivement assisté à un atelier d'écriture. Après, d'autre part, vous racontez que vos livres s'inspirent de la réalité. L'idée de votre premier roman, Le Jardin de l'Ogre, vous est venue en 2001 lors de l'affaire DSK. Vous décidez alors de créer un personnage féminin à l'appétit sexuel strauss-kahnien. Louise, le personnage principal de votre deuxième roman, donc le fameux prix Goncourt 2016, est une histoire inspirée d'un fait divers nord-américain, l'affaire Louise Woodward, une nounou, en nanny, accusée d'avoir secoué mortellement le bébé qu'elle gardait, mais qui, au-delà de l'histoire même, est, je crois, ou j'ai compris, une vraie réflexion sur la théorie du maître et de l'esclave. On peut être bourreau et victime à la fois, surtout quand on souffre d'une humiliation constante et de la domination sociale, même dans le cas d'une certaine bourgeoisie que vous décrivez très bien dans ce livre, qui essaie d'être respectueuse et pleine de bons sentiments. J'aurais voulu savoir quel est votre rapport actuellement au journalisme, qui donc a été votre profession avant de devenir auteur, et quelle est son importance dans votre travail? Oh bah, il n'en a plus beaucoup. D'accord. D'abord, j'exerce plus du tout ce métier, alors que je l'ai exercé jusqu'à il y a peu de temps. Même quand j'écrivais, j'ai continué à faire des piges, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'écriture de fiction et puis l'écriture littéraire, de manière générale, occupe une place trop grande dans ma vie. Et ben, je lis beaucoup des reportages sur des sujets de société, mais en revanche, voilà, je regarde pas la télé,
J'écoute plus la radio, j'utilise pas Internet pour les informations, j'ai pas de réseaux sociaux, donc je suis quand même de plus en plus déconnectée du monde. D'accord, et j'ai une autre question un peu politique pour le coup, même si vous êtes un petit peu déconnectée du monde, mais qui est très intéressante, je trouve vraiment dans Chanson douce, j'ai trouvé ça fascinant. Est-ce que dans ce livre-là, je trouve que vous parlez extrêmement bien, notamment dans le personnage de cette mère surtout et de ses parents, de notre relation au monde. Et j'avais une question qui est un petit peu particulière peut-être, mais est-ce que j'ai l'impression que vous êtes en train de nous dire que personne n'échappe quelque part à sa caste. Est-ce que cette femme, Louise, la nanny, peut éventuellement s'échapper? Est-ce que cette bourgeoise, bobo, comme on dit en France, en tout cas à Paris, peut s'échapper? Est-ce qu'on peut échapper à sa caste? On peut, mais vers quoi et à quel prix? Échapper vers où? C'est ça la question. Échapper pour appartenir à une autre caste, donc on deviendra le prisonnier d'une autre caste. Ceux qui, par exemple... passe de classe populaire à la bourgeoisie, ce qu'on appelle les transfuges, ce sont des gens qui portent aussi leur lot de souffrances, un sentiment de trahison, un sentiment de déracinement. Donc je pense que de toute façon, on n'échappe pas à ce à quoi on a appartenu ou à ce à quoi on appartient, et que tout a un prix, et même la liberté, elle a un prix. La liberté, ça n'est pas un monde idyllique, rose et merveilleux. La liberté, elle est très coûteuse et souvent très douloureuse. Dans un des entretiens que j'ai écouté, et Dieu sait si j'en ai écouté, vous parliez, j'ai beaucoup aimé votre rapport à l'émotion, et vous parliez beaucoup de l'émotion comme un moteur de création. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ce projet qui vous terminez là, dont nous avons appris aujourd'hui ces jours-ci. Au moment où vous commencez cette trilogie qui est quand même très autobiographique, il faut pour cela, je recommande donc Le Pays des Autres. C'est aussi baigné d'émotions quand on commence en fait une histoire qui est l'histoire d'une famille. Quelle est la place de l'émotion qui vous est si chère au moment d'écrire? Est-ce qu'on aborde l'écriture de la même façon? C'est pas tellement moi qui suis dans l'émotion, mais il faut que mes personnages, je les raconte toujours à travers une émotion. Moi, mon écriture, elle est toujours avec plusieurs points de vue. En particulier dans cette trilogie, j'adopte les points de vue de mes personnages. Toutes les situations sont racontées à travers un personnage. Je n'utilise jamais de narrateur omniscient ou de narrateur impersonnel. C'est toujours vu à travers un personnage et à travers l'émotion d'un personnage. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qui moi-même me bouleverse, c'est les moments magiques où j'arrive à saisir l'émotion d'un personnage. Mais parfois, une émotion tout à fait presque banale ou très fugace, ça peut être un moment de peur, un moment de surprise, l'émerveillement devant quelque chose qui est beau, et réussir à saisir ça, réussir à trouver les mots et à ce que ces mots ne soient pas banals ou ne soient pas galvaudés, ça, effectivement, c'est le travail le plus difficile. J'aimerais, avant de terminer, que vous nous parliez un peu de vos auteurs, de vos influences et particulièrement des auteurs femmes. Est-ce que vous pourriez nous recommander ou quelles sont, si je vous disais, quelles sont les femmes, peut-être pas auteurs d'ailleurs, peintres, peu importe, musiciennes, si vous deviez nommer des femmes importantes dans votre vie, au-delà de, j'imagine aussi, votre mère, votre sœur, votre grand-mère. Non, mais bien sûr, il y a beaucoup d'écrivaines qui sont très importantes pour moi. Il y a évidemment Virginia Woolf, dont j'adore tous les romans, dont j'adore aussi Le Journal Intime, qui est un compagnon merveilleux. Toni Morrison, c'est une femme qui est pour moi à la fois un modèle comme écrivaine, mais un modèle aussi comme intellectuelle, dans la façon dont elle a aussi formalisé son œuvre, dont elle a théorisé son œuvre et son rapport à la littérature. Il y a Svetlana Alexievitch, la prix Nobel de littérature, qui, elle, pour le coup, fait quelque chose entre le journalisme et la littérature de merveilleux. Une autre russe, qui est Ludmila Ulitskaya, qui est aussi une merveilleuse écrivaine, qui a notamment écrit un tout petit livre qui s'appelle Sonyachka, qui est extrêmement, extrêmement joli.
qui je pourrais dire encore, bah, Duras, ça a été vraiment un choc pour moi, sa liberté, sa, la musicalité tout à fait étonnante de sa langue ont été très, très importantes pour moi. Qui je pourrais dire d'autres? Il y a Maryse Condé, aussi une très, très grande écrivaine d'origine guadeloupéenne, qui apporte quelque chose à la littérature française de vraiment phénoménal. Donc voilà, il y en a beaucoup, beaucoup que j'admire et que j'aime. Alors j'aimerais terminer par un, ce que j'appelle un ping-pong de petites questions rapides sans trop y penser, pour terminer un peu dans la légèreté. J'aimerais savoir quelle est votre couleur favorite, Leïla ? Le blanc. Le blanc, très bien. Un son ou une musique ? Ah, je déteste la musique, donc le silence, le bruit du silence. Un parfum qui ne soit pas le galant de nuit, parce qu'on sait déjà que vous adorez ça. Un parfum, le parfum de la coriandre. Ah, bien. Votre premier mot, celui que vous avez prononcé ou celui dont vous vous rappelez comme le premier mot ? Santé. Chin-chin. Santé chin-chin. Voilà. Santé. D'accord. Santé chin-chin. Très bien. Votre première sensation le jour où vous êtes arrivé à Paris à l'âge de 18 ans, c'est bien ça, vous êtes arrivé à 18 ans, non, à Paris, je crois. Mm-hmm. Quelle est la première, vous vous souvenez de cette première impression quand vous arrivez à Paris ? La peur, parce que j'ai pris le métro et j'ai eu peur. Et l'odeur du métro, ça je me souviens très bien de l'odeur du métro. Alors j'allais vous demander, la prochaine, c'était quel parfum à Paris pour vous ? Ben voilà, l'odeur du métro. Un autre parfum, donnez-moi un autre parfum. Paris. Le parfum de Paris, le parfum des feuilles mortes qui pourrissent sur le sol au moment de l'automne, qui est une odeur assez agréable de mêler avec la pluie et la terre. D'accord. Dans les lectures indispensables, donc on a vu quelques femmes auteurs, mais là je vous demande les lectures indispensables. J'aurais aimé deux auteurs français et deux auteurs étrangers, et puis après, si vous les avez dans votre tête là tout de suite, deux auteurs latino-américains. Mais après, je ne sais pas au combien vous... Oh là jouez. Là, ça, je peux vous en dire 10 000. Ah, ben super, alors on y va. Deux auteurs français, déjà. Français dans les indispensables, je dirais Flaubert et Camus, tiens. D'accord. Deux étrangers, qui ne soient pas latino-américains, du coup. Deux étrangers, je dirais Philip Roth et Tchekhov. D'accord. Et alors, on passe à l'Amérique latine. Alors, je dirais Jorge Amado, le Brésilien. Le Brésilien. Mmh. Et puis Carlos Fuentes. Au Mexique. Ou Octavio Paz aussi. Ça fait trois. Très bien. Et finalement, pour les jeunes auteurs qui sont en train de nous regarder, nous écouter, un conseil d'auteur à auteur. Ne pensez jamais qu'on va vous lire. D'accord. Et bien, on va terminer sur ça. Enfin, on va évidemment continuer à vous lire. Merci beaucoup, Leïla. Ça fut un vrai plaisir. Je rappelle à notre public que tous vos livres, dont votre dernier roman, le premier donc de la trilogie Le Pays des Autres, qui retrace l'histoire de votre famille, sont traduits à l'espagnol et publiés par Editorial Cabaret Voltaire. Et puis voilà, à très bientôt, Leïla. Ce fut Merci un vrai beaucoup. Bonheur. Merci de nous avoir reçus et bon courage pour la fin. On est tellement contents. Merci, c'est très gentil. Merci. Merci. À bientôt, Leïla. Au revoir.